Voilà, bonjour. Vous avez l'habitude de connaître ce côté de la boucherie Spicart, le présentoir, les produits que vous connaissez, le personnel toujours aussi souriant. Eh bien, c'est possible grâce à deux personnages que j'ai la chance de rencontrer aujourd'hui. David, vous le connaissez dans sa boucherie et pour évidemment ses livraisons qu'il fait dans les commerces locaux. David, est-ce que tu pourrais nous présenter ton partenaire assis à côté de toi? C'est Jean-Pierre Bonin, qui est grossiste environ et qui me fournit la majeure partie de ce que je vends à la boucherie. Quoi. Tout ce qui est viande fraîche, viande bovine, viande porcine et puis l'agneau. Et donc, monsieur Renard, vous représentez... La société Piron de Liège. Nous sommes grossistes en viande depuis 3 générations. Et c'est une maison qui me prend l'honneur à servir plus particulièrement les artisans dont David fait partie. Ah, une société Piron, une société de Liège qui désire travailler avec un boucher marie-ambourgeois. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment ça se fait? C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche de qualité parce que nous faisons toujours un point d'honneur à assurer une traçabilité de nos produits. Donc toujours savoir au départ de fermes sélectionnées et destinées à des bouchers vraiment qui ont un caractère artisanal et qui s'inscrivent dans une logique d'excellence. De garantie de qualité sur la viande au départ et sur la qualité du service que va apporter David. Tout à fait. Et c'est comme ça, David, que nous retrouvons des produits qu'on ne retrouve plus spécialement dans la grande distribution. On parle de l'araignée, des taches d'araignée. Non, tu peux nous expliquer un peu, taches noires, araignées, l'onglet. L'onglet, c'est le seul morceau qui est unique dans la bête. Il n'y en a qu'un seul. C'est un petit morceau qui fait 6 à 700 grammes et qui, est fort goûteux, mais qui a un aspect, je veux dire, moins goût, mais personne, évidemment, les gens sont réticents quand ils le voient, mais quand ils ont dans leur assiette, ça c'est autre chose. Bon, l'araignée, c'est un tout petit morceau également. C'est des morceaux qu'on ne connaît pas, que la grande distribution n'est pas intéressée par ça, donc, mais qui en valent la peine. Donc des vrais morceaux de qualité, une viande de qualité et peut-être des morceaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans notre étal, dans la grande distribution. Voilà, exactement. Donc voilà. Et on a tous les autres morceaux de la bête parce qu'on achète des bêtes entières, on les fait découper. Vous achetez les bêtes chez Monsieur Piron justement qui lui est le garant de la qualité de la viande et des produits que vous servez. Chacun son métier, je veux dire que le fait d'aller acheter des bêtes en ferme et de savoir pour qui elles sont destinées, nous on connaît les caractéristiques qu'on veut, il connaît celles que je veux, et quand il a quelque chose d'intéressant, on se contacte régulièrement, je veux dire, parce que presque tous les jours, en me disant j'ai ça, bon, je ne prends pas spécialement tout, mais il y a des choses qui sont très intéressantes à des bons endroits. Et c'est ce qui garantit ce service, cette différence dans les morceaux et dans les produits que tu présentes chez toi. Exactement. Eh ben, Liégeois à Marie-Ambourg, ça valait le coup de le rencontrer. Et puis venez déguster évidemment la carte traditionnelle des bouchers que vous retrouverez évidemment chez David, mais aussi peut-être les autres morceaux un peu moins connus. Tout à fait.